Usalama mdogo katika mtaa wa Kadutu. Hiyo ni moja kati ya lengo ya kikao alichokiandali wale wa jimbo la Kivu ya Kusini, Teongwa Bijekasi. Mkutano uliendeshwa mtaani Kadutu mbele ya kiongozi wa mtaa wa Kadutu, Gerard Munyole Kasha Mabekao, makamu wake Profesa Joseph Munyabeni Nyembo, wanamemba wa shirika la raia na viongozi wa tawala la msingi wa mtaa wa Kadutu. Pamoja waligusia nini inapelekea usalama mdogo kuripotiwa katika eneo hilo, na walitolea pendekezo kadhaa ili usalama uboreshwe katika mtaa huu wa Kadutu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja kati ya viongozi wa tawala la msingi pa Kadutu alitolea pendekezo yake. Yenyini ingesema kwa kumina shatisi kwa mtawa kumineo, kwa province yetu ya Sud-Kivu, nisikia mwapisi de solution na kuproposer que tu peux la dénoncer. Bien sûr, il la dénoncer. Mais, il arrive de fois qu'il n'avait pas oui, ici, puis ça peut travailler par malfaiteur, tu l'as fait en cachot. Après quelques jours, unaona anarudia, anafika mbele yako, anakuambia kuuliza yeye atanifanya nini. Pale chie tunajiuliza sasa, ule mtu ule kukasho kwenye alienda. Est-ce que alienda toi pour musique pour quelque chose pour qu'il arrive ou bien ni passe kwenye alikuwa shomoengasere pour que kesho asirudie tena kufanya ile mabaya. Yingine nini nimesema papa, baba gouverneur mkuu wa province yetu, insuffisance ya elemani ya la police aussi kwa sociale iko inaonyesha aussi ile insécurité ya mingi. Parce que ça veut dire kuchimbuna. Tulishaandika tukaambia baba yetu burgomestre Munyole Kasha Mabekao, naye akafikisha malalamiko yetu kwa komandari. Alipigana akakupromete ke atakuongezea efektive ya la polisi Chimpunda. Kule kuna lalaka polisie moya hivi. Umoya kwa lalaka pale, leta yenyewe tunalomba intervention polisia, anasema niko hapa mie peke sitatoka. Tunajiuliza sasa tutakimbilia kwa nani? Tukiita la polisi yenyewe iko mpatwe, banapanda banakuambia tunakuya. Ukiita tena wanakuambia tuko na miguru, hatuna karibira. Alafu wanapatia karibira. Atakuya fika deja la pre operation isha. Atuye sasa kama wanakuambia tubaone macho, ubia wanapashwa ku intervenir kwa ku tusekilize. Ingine nini kesema juu ya aussi ma maison ya vente ya chambre. Tuko na mkutana ba polisie bombe yuko manakutia bani mune polisie yepe ke anakunya sapilo mune, akifuka sapilo kwanza manake namwambia yepe ke ikunywa ataikunywa tu. Na chaque samedi kuko kuna kwa ba militaire penye niko banaenda banalomba kidogo kidogo kwa ile manyumba yenye inauzisha bani. Sasa shie sapile basivile mtambuo somo yetu ni gani? Alors que le militaire et le policier trouvé que je venais bana faina tant que ma bana bana appuyé na bana favorisé il est stable na na kutabani. Merci. Shirika la raia kupitia mmoja wao anapendelea raia wakutane mara ili viongozi wajue nini inahitajika kwao, na hapo hali ya usalama mdogo itamalizika katika mtaa wa Kadutu. Problemu tuko nayo inaweza kuhusia bono kati bono ndio ulipita ekuma ya mufu depuis mu janvier ilibeba plus de 170 maison. Mais hatujaona hata mkubwa mwao mwenye alishapewa kuvisitia.
kuko pi de 170 ménages de Yihabara face à Flala, Habara face à presque qui parle à Avenue Iyena. Mais on parle de tout le problème, Bolo 4 est menacé, Bolo 2 est menacé, population qu'on a réfléchi, ma mesure garde ta femme, tu y essaies de lutter contre ma problème d'érosion. Magari mingi zinalala kwa barabara, zinalala kwa mabandi na ziko
anaweza kusaidia jinsi ilivyokuwa. Il y a une autre aide. Alikuwepo pia mbunge mteule wa mji wa Bukavu Bi Beatrice Kinja Mwendanga, naye anapendelea raia watumike kwa mawasiliano bora na watu wanaohusika na usalama. Alipochukua kauli liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini Teongwa Bijekasi, aliweza kuonesha ya kuwa mambo ya usalama hayuhusu tu viongozi, ila inabidi kutumika pamoja ili hali ya usalama iwe shwari katika mtaa wa Kadutu. Fuateni maoni yake, aliweza kujitetea katika lugha ya Kifaransa. Monsieur le bourgmestre, monsieur le bourgmestre adjoint de la commune de Kadutu, mesdames et messieurs les chefs de quartier, chefs d'avenir, mesdames et messieurs les représentants de la société civile et du mouvement citoyen, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver, de me retrouver avec vous aujourd'hui à Kadutu, dans cette salle, pour que nous puissions échanger ensemble sur des questions qui touchent dans divers domaines notre population qui est dans cette entité. J'ai bien suivi la présentation de la situation par le bourgmestre et son agent. Et je vous promets que je vais examiner ces mémos et m'investir pour apporter l'exercice que nous faisons aujourd'hui. Nous l'avons entamé il y a quelques temps avec la commune d'Ibanda. Et j'ai dit, je vais quitter mon bureau pour venir aujourd'hui à Kadutu pour écouter les préoccupations de la population, mais aussi vous donner ma vision par rapport aux problèmes que rencontre notre population. Je sais que le problème le plus crucial, c'est le problème d'insécurité dans la commune de Kadutu. Ce travail et ces problèmes, voulais-je dire, ne peuvent être résolus que si nous tous nous impliquons. Et la belle façon de s'impliquer, c'est d'impliquer les quatre de base, d'impliquer la population dans la lutte contre l'insécurité. Vous l'avez bien souligné, la commune de Kadutu, l'insécurité bat son plein. Et je crois le week-end dernier, moi-même j'étais dans la commune ici, la semaine passée, j'étais à Tchibouna. Mais le même jour, nous avons connu des attaques de ces criminels qui ont endeuillé la population de Bukavu en général et la population de Kadutu en particulier, avec des attaques, je crois, plus de 4 morts. Nous avons connu les comptoirs et les boutiques qui ont été vandalisés et braqués dans la même journée. Et je crois aujourd'hui, les lundi, c'était hier, j'ai réuni le Conseil de sécurité provinciale pour que nous puissions nous y pencher. Et nous avons pris un certain nombre de mesures pour endiguer l'insécurité. Mais à coup de mesure, les agravata tant que population a égitié l'année. C'est pour ça que j'ai pensé effectivement être là pour que nous puissions regarder comment endiguer l'insécurité. Et je crois aujourd'hui que chaque cadre de base, nous allons échanger, mais pour vous laisser à présenter, vous êtes libre, vous allez aussi échanger et me donner des propositions, puisque moi, je n'ai pas de solution, mais ensemble, nous pouvons apporter des solutions tirables aux problèmes de sécurité. Donc, moi, je pense que la première démarche à faire, c'est de contrôler tous les mouvements de la population si les avenues et dans nos quartiers. Connaître les entrées et les sorties de toutes personnes qui entrent dans la communauté avec ces informations. Contrôler tous les débits de boissons dans lesquels se réfugient les bandits et dans lesquels ils planifient leurs forfaits contre nos populations innocentes. Supprimer toutes les maisons de passe et de tolérance
dans lesquels sont consommés les chanvres et autres boissons fortement alcoolisées. Organiser une patrouille civile pour la sécurité de chaque ami. Séminir des cibles pour alerter le voisin du danger qui se pointe devant une maison. Et enfin, ce que je propose, utiliser les numéros verts de la police qui doit être fourni par chaque cadre de base. Et quand les dangers arrivent, nous s'appelons. Voilà les quelques pistes que je vous propose en ce qui concerne l'insécurité. Mais je suis disposé pour écouter d'autres types de solutions. Deuxième préoccupation, à part l'insécurité, je suis venu aussi vous parler de l'assainissement et de la salubrité dans la commune de Kadutu. Aujourd'hui, nous faisons face au problème de salubrité et qui nous apporte malheureusement des maladies et qui occasionne aussi les décès de nos enfants. Là aussi, je vous propose que les salons soient effectifs chaque semaine, avant 10h. Et je vous propose la journée de santé. Reprenons les bonnes habitudes pour faire les salons. Deuxième option, chaque avenir devra superviser, chaque responsable d'avenir devra superviser les salons en général et faire rapport à ses hiérarchies. Donc, les chefs d'avenir qui font rapport aux chefs de quartier, le chef de quartier qui fait rapport au bourgmestre, le bourgmestre qui fait rapport au maire de la ville, et le maire pourra les saisir en cas de besoin. Les caniveaux d'évacuation des eaux doivent être intégralement nettoyés. Interdiction formelle de déverser les immondices et des déchets ménagers sur la voie publique. Les lavages des véhicules sur la voie publique devra aussi être sévèrement sanctionné, puisque nous nous battons pour faire les routes. Peut-être dans la commune de Kadutu, on n'a pas encore commencé ce travail, mais les quelques routes que nous avons, vous devez apprendre qu'aujourd'hui, vous devez connaître que le fait de laver le véhicule avec du savon, ça endommage la chaussée. Autre piste que je vous propose, sensibiliser tous les ménages à adhérer aux associations qui évacuent les déchets. Et enfin, c'est rassurer que chaque ménage a une toilette propre. Je vous propriété Nazia, Béa, Nyuba, Yakila Moutou. À ce qui concerne les chaînes publiques, les chefs d'avenir doivent veiller que les hautes herbes, les broussailles, les immondices, les détritus et tous les récipients susceptibles de retenir l'eau sont enlevés. Il doit aussi veiller que soit supprimée toute végétation si c'est de servir des gîtes aux insectes, vecteurs des maladies. Nous proposons aussi que chaque habitant ou chaque groupe d'habitants contigu doit construire une latrine convenable et salive. On doit veiller à ce que les tuyaux de toilette ne soient pas déversés sur les avenues. Veiller sur les déchets qui ne doivent pas être déversés dans nos rivières et particulièrement dans la rivière Gabon. Parce que vous connaissez les conséquences effectivement de ces rivières, de la rivière Gabon, si les inondations que nous subissons dans la ville, non seulement dans la commune de Kadutu, mais même dans les autres communes, si je pense à la commune de Sban. C'est un problème sérieux. Enfin, nous devons sensibiliser les ménages pour ne plus continuer à utiliser les enfants de la rue pour aller déverser les déchets sur la rue. À ce qui concerne les trottoirs, le chef d'avenir devra veiller que les trottoirs établis le long des avenues doivent être tenus en état de propriété par les riverains. Il devra aussi veiller que tout étalage soit interdit sur les trottoirs, puisqu'on réhabilite la route. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout trottoir se transforme en marché pirate. Si vous êtes dans la rue, on va à son haut. Allons dans les marchés pour vendre nos produits, pour aussi nos mamans qui continuent à vendre. Et donc, tous, nous avons étudié grâce à ces mamans-là.
mais on doit les faire dans le marché et non pas sur les trottoirs. Il faut veiller que le véhicule et autres kiosques qui jonchent les voies publiques soient impérativement évacués sans délai par les soins des propriétaires. Interdire les dépôts des matériaux de construction sur la voie publique. Si on veut construire, il faut construire à l'intérieur et on va prendre des matériaux et mettre sur la voie publique. Sensibiliser la population à ne pas construire sur des sites impropres. Nous avions listé il y a quelques temps par le gouvernement provincial 15 sites impropres à la construction. Et malheureusement, dans la commune de Kadoutou, il y en a plein. Et je vous informe que nous avons entamé ce travail de sensibilisation. Et d'ici là, nous allons poursuivre le travail que nous avons commencé de détruire les maisons qui sont sur les sites impropres à la construction. Nous nous arrangerons évidemment à s'organiser pour trouver là où les gens doivent y aller vivre normalement. Ça, c'est un travail que nous avons déjà entamé. Et je crois que vous avez suivi, quand j'ai fait le travail vers Diamba, pour la route, on ne peut pas comprendre que les maisons soient suspendues à l'air. Conséquence, chaque bruit qui arrive, c'est un danger pour nos familles. Je ne vois pas quel père, quel mère serait responsable d'exposer la famille à la mort. Et malheureusement, quand la mort arrive, c'est le gouverneur de province qui est interpellé, c'est le gouverneur de province qui souffre de cette situation. À ce qui concerne l'éclairage des avenues, puisque l'insécurité est là, puisque les avenues ne sont pas éclairées. Je vous informe que hier, j'ai réuni la SNEP. J'ai réuni la mairie, le maire de la ville était là, pour que nous puissions nous impliquer pour commencer le travail d'éclairage de nos avenues et dans nos quartiers. Ça, c'est la part du gouvernement provincial que nous allons le faire. Mais je demande aussi. Nous l'avons fait pour la commune d'Ibala. Dans la commune aussi de Kadoutou, chaque ménage doit se doter d'un éclairage public, des fiscines en poudre, à mettre devant la maison. Ça va nous aider aussi à lutter contre l'insécurité. Dans quelques jours, nous allons relancer l'éclairage public. Mais je vais vous demander que vous puissiez veiller à ce qu'on ne puisse pas endommager les bruits pour les gens. Voilà les quelques points sur lesquels j'ai tenu à ce que nous puissions échanger. J'ai fait un arrêté il y a quelques temps. J'ai demandé au maire de la ville d'y veiller, au bourgmestre aussi d'y veiller, et à vos cadres de base aussi, d'amener et de vulgariser cet arrêté-là, dont je viens d'évoquer les principales lignes, pour que notre ville, comme vous, redonne son blason qui est terminé. Il n'y a pas longtemps, cette ville était la plus belle ville de notre pays. Mais c'est devenu aujourd'hui une poubelle. Il va de notre responsabilité. Et j'attends que chaque année de base puisse s'impliquer. Ceux qui ne vont pas s'impliquer, malheureusement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons échanger. Ça fait une année et demie que je suis là. Nous avons porté ces messages et nous voulons aujourd'hui que nous passions au travail. Il n'est plus le temps de faire des longs discours. La population attend de nous que nous puissions nous impliquer. Donc, chaque cas de débat qui ne va pas s'impliquer, nous allons nous impliquer, nous allons prendre des décisions pour mettre de nouveaux responsables qui vont accompagner le gouvernement, qui vont accompagner le maire, qui vont accompagner le gouverneur, pour que nous aussi, dans quelques temps, plutôt que moyen, pour qu'on retrouve une vie de droit d'avenir. C'est difficile et je sais que vous manquez beaucoup, vous avez beaucoup de difficultés. Mais comptez sur moi pour vous accompagner afin que la ville de Bukavu retrouve sa belle robe d'antan. Non seulement que ça sera pour les vivre dans nos quartiers, nous allons retrouver la sécurité, mais aussi nous allons être préservés des maladies qui endettent aujourd'hui les populations dans notre commune de Kadoutou. Voilà, mesdames et messieurs, le peu que je voulais mettre comme introduction, mais je suis là pour vous écouter et je vous remercie.